Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Devoir de mémoire. Ce soir, nous allons parler de l'assassinat, de l'arrestation et de l'assassinat de Parti Sémiré Lumumba, euh, ce fils du Congo démocratique, qui fut arrêté et assassiné de manière euh, atroce par euh, le colonisateur d'hier, c'est-à-dire euh, euh, la Belgique, la France, les États-Unis, parce que c'était toute. Euh, euh, ces, ces impérialistes de l'époque, comme il, a, il les appelait lui-même, qui l'ont arrêté et qui finalement ont eu raison sur lui. Et euh, cette émission, justement, sera donc, euh, animée avec euh, M. Jean-Paul Cassende, qui est euh, spécialiste de la pensée politique de Patricia Emery lumumba Et c'est comme ça qu'on l'a repéré ici à Paris. Et donc, euh, à chaque fois que cette question est évoquée, il n'hésite pas à venir participer euh, à l'émission. M. Cassende, bonsoir. Bonsoir. Mais voilà, nous allons commencer justement cette... Euh, Parler de cette question-là, hein, liée à l'assassinat, hein, à l'arrestation d'abord, et à l'assassinat de Patrice le Lumumba. Et on sait que c'est l'homme qui a conduit le Congo à l'indépendance, à travers ses différents discours. Mais qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là de l'arrestation de Patrice le Lumumba Qu'est-ce qu'on en voulait à Patrice Bon, euh, Patrice Lumumba, son arrestation, il y a eu d'abord deux causes qui lui ont permis. Il était mis en résidence et surveillé. Après qu'il ait été révoqué par le président Kassaboubou le 5 septembre, il y a eu un coup dite des commissaires généraux du de, groupe d'Embiza le 14 septembre. Donc Lumumba est mis en résidence et surveillé. Pendant ce temps, les partisans de Lumumba, dont Antoine Kizenga, qui était à Kisangani, ne reconnaissaient pas le gouvernement de Léopoldville du le gouvernement central. Alors, il y a eu un plan. Par les partisans de Lumumba, pour que Lumumba puisse quitter euh, sa résidence afin de rejoindre Kisangani. C'est ce qui est dit. Un autre événement, toujours, euh, Patrice Lumumba se trouvant dans sa résidence, euh, donc plutôt dans la résidence surveillée, c'est ce que nous avions à dire, enfin, euh, nous nous sommes permis de dire que. Dans cette euh, résidence de Lumumba, quand il était en résidence surveillée, il y avait la dépouille de sa fille. Donc Lumumba se trouve avec eux deux situations différentes. Mais parce que Lumumba avait décidé de partir, donc d'accompagner la dépouille de sa fille pour que cette fille, donc plutôt pour que sa fille soit enterrée dans son village natal, il s'avère que du jour avant, Antoine Roger Boulamba qui fit le conseil en communication de Lumumba va lui présenter un plan de huit pages sur ce que les partisans de Lumumba, comme je l'ai dit, préparaient pour pouvoir, à ce que Lumumba euh, regagne euh, la ville d'Estaing-les-Villes. Donc, il est décidé que Patrice Lumumba doit quitter la résidence pour justement aller vers l'itinéraire qui lui a été euh, euh, tracé par Mongolo Djaka. Curieusement, le 27 novembre au matin, Patrice Lumumba va quitter sa résidence pour maintenant prendre son chemin dite de, de son départ. Mais le même jour, le 27 novembre, c'est le jour où le président Joseph Kasa-Vubu organise une, enfin, un grand festin pour sa victoire à l'ONI. Donc Lumumba prend son chemin. Quand Lumumba arrive à, la, donc à destination, Lumumba. Traverse la rivière. L'audi. Mais dans sa fuite, enfin, excusez-moi l'expression. Dans son... la rivière, là, nous sommes dans quelle province Là, nous sommes, nous sommes maintenant dans l'actuelle province de Bandundu. Voilà. Mais Lumumba, dans son départ, avait amené avec lui son épouse Pauline pango et son fils Roland. Mais ils n'étaient pas dans la même voiture. Quand Lumumba arrive, la voiture qui escortait Madame Veve Lumumba et Roland était. En retard. Donc, le Mumba va traverser la rivière Lodi. Il arrive maintenant de l'autre côté du Kassai. Madame Veve Lumumba, actuellement Veve, oui, donc Pauline, reste de l'autre rive avec Roland. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Quand le Mumba quitte sa résidence, il y a une fuite d'informations que le Mumba quitte sa résidence. Donc, le général Mobutu met à disposition. Euh, de un convoi euh, oui d'un convoi militaire dirigé par le commandant Pongo qui est le papa de Pongo avec sûrement cette expression et c'est celui-là qui va arrêter Patrice Lumumba. De l'autre côté de la oui région. mais il n'arrêtait pas oui. ce qui arrive c'est que Patrice Lumumba traverse donc de l'autre côté on arrête Madame Lumumba et Roland et donc maintenant ils sont en, donc ils sont en otage de euh, ah, oui. euh, voilà des militaires de Mobutu. Et on fait dire à Lumumba qu'il faut vous rendre. Mais sinon, on fera mal à votre famille. Effectivement, le, euh, Roland avait ici euh, un coup de crosse de revolver par un militaire qui saignait jusqu'à maintenant, il a toujours la bosse. C'est comme ça. Lumumba se rendu. Dire qu'on l'a arrêté de l'autre côté, non. Lumumba s'est rendu. Et à ce rendant, pour pouvoir sauver sa famille et convaincre les militaires qui l'ont arrêté de les laisser libres, Lumumba est arrêté par le major Pongo et quand Lumumba est arrêté, automatiquement celui-là se met en contact donc avec le pouvoir de Kinshasa et on amène Lumumba et ses compagnons parce que contrairement à ce que les gens croient, Lumumba n'était pas arrêté ces jours-là, il était arrêté avec cette députée. On peut voir dans, dans un des courriers qu'il a adressé à un de ses cousins à Dante du 4 janvier 61. Donc Lumumba est arrêté et il est conduit maintenant à un endroit où il est vrai que l'hélicoptère qui a pris Lumumba, je crois cet hélicoptère, c'est qui aurait donné cet, donc cet hélicoptère à l'armée congolaise. Je ne crois pas que l'armée congolaise avait un hélicoptère. Le mot m'est mis dedans et le Mumba maintenant, arrive en, euh, à Léopoldville. Dès Léopoldville, on va présenter le Mumba. Il y a des images euh, bon, enfin, que les gens peuvent peut-être un peu consulter dans l'Internet actuellement. On présente le Mumba à... Joseph-Désiré Mobutu, C'est comme ça qu'il y a eu décision que le Mumba soit transféré en stale, non plutôt à Tissville euh, dans les camps militaires de Tisville. Okay. Là-bas, à Tisville, celui qui était commandant de ces camps, c'est le général Bobozo. Le Mumba arrive maintenant à Tissville. Et qu'est-ce qui va se passer Patrice le Mumba est maintenant à Tisville avec ses députés, euh, y compris Joseph Kito et Paulo Maurice. Lumumba devient le gibier. Je dis bien, il devient le gibier. Parce qu'en traitant à Kinshasa, à Léopoldville, à l'époque, on décide maintenant du sort de Lumumba. Qu'est-ce qui se passe Les gens qui ont décidé le sort de Lumumba, ce sont les gens qui ont fait les coups du, du 14 septembre, les gens du dit le commissaire général. Ils mettent, ils cherchent maintenant à amener Lumumba quelque part. Il y a deux endroits soit Bakwanga, aujourd'hui Mbujimai, ou Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Ils vont faire un plan, de, euh, donc ils vont faire trois plans. Le premier plan, composé, un, de Victor Nendaka et de Fernand Kazadi, qui, eux, vont prendre du côté, euh, donc, vont attendre, euh, donc, Lumumba à Mwanda. Un autre, euh, donc un autre plan, c'est Jonas Mukamba qui prendrait l'avion de l'aéroport d'Njili pour aller à Lukala pour attendre de partir sur Lumumba. On prend un troisième plan, un avion qui va aller à Bakwanga. Faire quoi C'est pour repérer le militaire de l'ONI qui était stationné là-bas. Pendant ce temps, Lumumba est en prison. Jonas Mukamba rendait visite régulièrement à Lumumba. Parce que c'était son ami. Et un jour, Kasavubu, euh, Mobutu et Bomboko vont rendre visite à Lumumba quand il est toujours en à prison, à tes, à, donc plutôt à, à, à Testville, et on lui fait part qu'il y a un gouvernement qui va être mis en place, donc un genre de, donc de conférence nationale pour qu'il se réconcilie avec Kasavubu et s'il peut prendre part. Lumumba refuse. Quand euh, Joseph euh, Mobutu et Kassavoube Bomboko rentre. Il y a une mitinerie qui s'est fait dans cette, euh, donc, dans cette prison par les militaires sous prétexte que Mobutu ne paye pas les soldats des militaires. Mais sachez qu'en traitant malgré cette mitinerie, euh, euh, M. Bobozo, qui est l'oncle de Mobutu, est toujours commandant d'état civil. Bobozo va rendre compte à Mobutu que... Voilà. Il les rencontre pour l'arrêter Non, 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 non. Là, Lumumba est en prison, mais il raconte à Mobutu qu'il y a une sécurité. Oui, d'accord. Euh, Grosso modo, qu'est-ce qui va arriver finalement lorsqu'on va embarquer Patrice et Lumumba dans cet avion qui va les conduire vers le Congo Bon, Katanga maintenant, qu'est-ce qui va arriver surtout le jour de son, euh, son son de son arrestation et de son assassinat. Hein. Oui, mais Lumumba, j'ai dit bien qu'il est arrêté le 1er décembre, si vous voulez, donc, Lumumba est arrêté le 1er décembre 1961, il est transféré à, maintenant à t 1960, 1960. Hein. Euh, voilà. Oh. Donc maintenant, euh, Lumumba, qu'est-ce qu'on fait de lui On cherche maintenant. Parce qu'à Leopoldville, vous avez le. Donc vous, euh, à Léopoldville, vous avez les contingents de l'ONU. Donc, on ne pouvait pas assassiner Lumumba à Le parce que les contingents de l'ONU, il y avait des Ghanaiens voilà. et puis de... Donc, il fallait isoler Lumumba. Un endroit Mais... secret, quoi. Secret. Donc, voilà. c'était choisi Tisville. Malgré Tisville aussi, donc Tisville aussi était un danger. Je vous dis que Lumumba devenait un gibier. On a encore trouvé un deuxième endroit qui est Mwanda. Mwanda, c'était pourquoi C'est qu'ils ont décidé... Mwanda, c'est dans la province de... de... Donc, c'est dans la province de Bakongo. Bakongo. Donc, la on a, a décidé... Ils cherchaient toujours à envoyer le Mumba soit à Bakwanga ou à Elisabethville. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ils vont faire en sorte de détourner l'attention des contingents de, de l'ONU. Quand le Mumba est à Tisville, je dis bien maintenant, c'est Jonas Mukamba qui prend un autre avion qui arrive à Lukala. Dès Lukala, on fait croire maintenant à Mumba que il y a un coup que Joseph Mouboutou, que Justin Marie Bomboko et que sont arrêtés. Il faut qu'il aille prendre le pouvoir. C'est comme ça que le Mumba. À ça, 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 ça il sort de sa prison, il entre dans la voiture, directement, on, on arrive à Lukala. Malheureusement, à Lukala, il y a un avion qui attendait Lumumba. Dans cet avion, il y avait Jonas, et, toujours Jonas et Mukamba. Dans cet avion, il y avait Jonas et Mukamba qui attendait. Lumumba euh, sort de la voiture, il voit un avion pour lui il va prendre le pouvoir à Leopoldville dès qu'il arrive dans la donc plutôt dès qu'il monte à bord de l'avion, il est conduit maintenant à Mwanda et tout ça se décide là et à Mwanda, il va trouver qui Jonas Mukamba et Ferdinand Kazadi c'est comme ça que la décision du transfert de Lumumba se décide pour les Katanga. Pour le Katanga. Donc, nous sommes le 17 janvier. Le 17 janvier, donc, il sera conduit au Katanga. Et, et quels sont ses rapports avec le Jonas Mukamba à cette époque Pourquoi bon. ces gens-là ne l'ont pas aidé à, à s'enfuir, par exemple Non, pas du tout. Lumumba n'avait pas... Euh, il y a eu déjà. Il des ennemis, là. Non, mais bien sûr, parce que euh, quand Lumumba crée le MNC... Il avait avec Kalonji un moment, il y a ici son de MNC, Lumumba Kalonji, en traitant cette guerre de Baluba et, les Loulou, et puis les Lulua à côté cher à Lumumba. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous allez voir que quand Lumumba est à Mwanda, on décide maintenant son, euh, son transfert vers les Katanga. Mais le 8 janvier, M. André Delvaux, dont un hein, des qui ça, ça porte le nom, M. André Delvaux est parti au Katanga rencontrer Chombe. Et c'est là-bas qu'ils se sont permis de s'arranger pour les transferts de Lumumba au Katanga. Donc nous sommes déjà à Mwanda le 17 janvier, quand à 11h, l'avion décolle. Qui donne l'ordre du décollage de l'avion, c'est M. Victor Nendaka. À bord de cet avion, malheureusement, vous n'avez que des balouba. Vous avez M. Jonas Mukamba, vous avez M. Ferdinand Kazadi. Il monte dans l'avion direction. Bon, ce sont ses pires ennemis, quoi, qui montent Mais bien sûr, dans je... l'avion vers le Katanga. Vers les Katanga, livré dans la province de Moïse Chombe. Moïse Chombe. D'autres bon. ennemis à Lumumba, donc. Ou ennemi, un ami presque. Est-ce que c'est rapport avec Tchombe parce que c'est la province de Tchombe? Euh, Lumumba a voulu toujours. Euh, plutôt Tchombe a voulu toujours à Lumumba, parce que quand Tchombe proclame la sécession katangaise, c'est Lumumba qui envoie les troupes de l'ONU au Katanga pour combattre Tchombe. Et entre-temps, bien avant. Autant que euh, Tchombe proclame la sécession katangaise, il y a un affrontement fratricide entre les Katanga, à l'époque et même les Baluba du Katanga, connu aujourd'hui le Kat et les karunda. Ça, c'est une guerre vraiment fratricide, c'est qu'on y a eu cette guerre et en tête chez les Kat il y avait Jason Senwe. Ce qui fait que eh, Tchombe a voulu à mort à Patrice et Lumumba. Mais par contre. Euh, le pouvoir de Kinshasa à l'époque est euh, enfin, composé, de euh, Justin Marie Bomboko, composé de Mobutu de Kasavubu, et il voyait, malgré la sécession kantangaise, il savait déjà que Chombe euh, s'est permis euh, sa sécession par mécontentement parce qu'il voulait les pouvoirs, mais il fallait qu'il fasse un plaisir à Chombe pour. Qu'un puisse, qu puisse se réconcilier. D'ailleurs, il y a eu cette réconciliation en 63. Chomba a été nommé Premier ministre. Bref. Mais il ils reçoivent, ils reçoivent, euh, partie séméraire, le Momba au Katanga. Au Katanga, c'est ce -ce -ce le 17 janvier. mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer À l'aéroport de Loano. L'aéroport de l'aéroport Lubumbashi, donc euh, Oui, mais c'est toujours Loano. C'est oui. l'aéroport de Loano à Lubumbashi. Oui, oui. Il y a eu deux, comment dirais-je, était sous commandement de deux tendances. Le pouvoir du Katanga et les contingents de l'ONU. Sauf qu'ils se sont arrangés pour que l'avion qui amenait Lumumba atterrisse du côté ou euh, qui était sous contrôle de, 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 qui était sous contrôle du pouvoir du Katanga. C'est comme ça que l'arrivée de Lumumba a échappé aux contingents de l'ONU qui était composé des Suédois. Mais oui, mais les contingents de l'ONU savaient aussi que Lumumba arrivait. Non, 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 non. Alors, jusque-là, euh, non, pas du tout. L Donc, ça a été un secret. Sincèrement parce que l'ONU, ça a été un secret. Ça a été un secret. Eux ne savaient pas. Eux ne savaient pas. Ils ont été seulement surpris. Peut-être que ces contingents de l'ONI qui étaient au Katanga n'avaient pas reçu l'ordre haut, parce qu'on sait que l'ONI aussi s'est trempé dans, si dans cet assassinat. Mais mmh. ils n'étaient pas du tout au courant. Hein, ça, en tout cas, je ne crois pas. Voilà. Donc, et donc, l'avion a atterri du côté contrôlé par euh, le voilà. gouvernement du Katanga. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est que, euh, donc déjà dans l'avion, euh, comment dirais-je, déjà dans l'avion, le mot était tabassé, et euh, puis tout, quand l'avion a atterri, Chombe était en réunion euh, donc avec ses ministres. La personnalité cantangaise qui était présente, c'était Godefroy Mounongo. Et c'est celui qui réceptionne Patrice et Mary Lumumba et ses deux compagnons, Joseph Okito et Paulo Maurice. Et là, ils sont conduits vers une maison à côté euh, donc, de la porte de Loano. Et Mounongo commence à tabasser Lumumba et à lui dire sincèrement que Monsieur Patrice Lumumba, vous m'aviez lancé un défi. Maintenant, je voudrais voir si vous êtes vulnérable. Et il avait la baïonnette à main. Ça, c'est connu. Euh, donc il y a des documents pour ça. Donc, le Mumba était tabassé sérieusement à mort. Munongo était présent. Donc, euh, vous allez voir ici, euh, sur, euh, sur certaines photos, euh, l'arrivée, euh, bien avant que le Mumba euh, aille. Au, au Katanga, bon, ça c'est la photo datant de 1959. Mm -hmm. Lumumba, ça c'est une photo datant de 1959. Mm -hmm. Et c'est la première arrivée de Patrice Lumumba en 1959 au Katanga. Mm -hmm. Par contre, toujours sur ce même livre, je vais vous montrer le jour où, parce que là, nous allons parler maintenant de l'exécution de Patrice Lumumba. Mm -hmm. Et le jour où le, Lumumba est assassiné. Quand le Mumba arrive au Katanga, donc euh, il est abassé, on décide de son sort. Ce jour-là, il ne fallait pas que le Mumba vive. On l'a amené quelque part, toujours à côté, euh, de, à côté de, donc, de la ville de Lubumbashi, où le Mumba, ce jour, il a été exécuté. Il a été le dernier. Le premier, c'était Joseph Okito, suivi de Polo Maurice. Mais quand on a amené Lumumba, le Lumumba pose la question à Jonas Mukamba. Vous allez nous tuer Jonas Mukamba dit oui, Patrice, vous serez exécuté. Par contre, ce jour-là, le 17 janvier, quand Lumumba est assassiné, on n'annonce pas la nouvelle au monde entier. On n'annonce pas donc la nouvelle au monde entier que Lumumba est assassiné. On a entendu le 10 février, quand Godefroy Munongo... Voilà. Quand euh, Godefroy Mounongo se permet une conférence de presse en disant que Lumumba a fui, c'est connu de tout le monde, Lumumba avait fui et qu'on est à sa recherche. Deux jours après le 12 février, Mounongo fait encore une conférence de presse en disant qu'on a trouvé les cadavres de Patrice Emery, Lumumba. Et là, on va exhiber des faux certificats euh, donc médicaux euh, donc des décès de Lumumba. Alors, vous comprenez que quand Mounongo dit que Lumumba fuit, on trouve les cadavres de Lumumba. Et donc, tout ça, c'était un camouflet. Bien sûr. Pour éviter d'annoncer la nouvelle. Effectivement. Parce qu'on savait très bien qu'il y aurait eu des, des révolutions. Effectivement. De Maintenant, qu'est-ce qui qu qu va se passer oui. Le jour où Lumumba est assassiné, mmh. il y a euh, Lucas Samalingue, qui était ministre du gouvernement du Katanga. Mmh. Ils ont fait leur fête. Donc là-bas au Katanga, ils ont fait leur fête. Sauf que ce messie, à Trobi, il vantait comment on a tué le Mumba. Comment on a assassiné le Mumba. Et il dit ceci, que Godefroy Mounongo a foncé le Mumba une baïonnette et se gâte euh... un mercenaire belge qui a donné ce qu'ils appellent, eux, un coup de grâce à Patrice et Lumumba. le Mumba. Un coup de grâce. Un coup de grâce, ce qu'ils appellent un coup de grâce. Et c'est ça, n'a pas menti parce que... Il parlait tellement trop que en novembre 61, Tombé a organisé une partie de chasse et cet homme, on n'en parle jamais, il a été assassiné à son, en novembre 1961. – D'accord. Maintenant, voyons un peu dans le contexte politiquement parlant, le politique. mais non par rapport à la Belgique et le Congo, qu'est-ce que aujourd'hui les Congolais peuvent euh, dire aux Belges? Est-ce que la Belgique a-t-elle demandé, Belgique, le Congo a-t-il demandé des explications quand même de manière euh, posthume sur cet assassinat, ou que la Belgique a-t-elle reconnu euh, son implication dans l'assassinat de Patrice Emiral Je crois bien que la Belgique a fait un grand pas. Dans même le les bon États. Sens. Dans le bon sens. Euh, moi, je dis dans les bon sens, même les États-Unis d'Amérique, parce qu -ce que. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Belgique à la hauteur de l'assassinat. Oui, non, la Belgique, vous savez, c'est un royaume, la Belgique a fait une commission parlementaire. Vous savez que vraiment, ça n'a jamais existé. Hein, je crois qu'en Belgique. La Belgique oui, a fait qui une qui commission parlementaire. Quoi, oui, oui qui mais qui été... reconnaît oui. les responsabilités morales uh -huh. dans l'assassinat de Lumumba. Mais quand la Belgique se permet ça, c'est que vous savez que le Congo, notre pays est indépendant. Le pays est indépendant. Lumumba est international Il est matière du panafricanisme. C'est aux autorités congolaises de se permettre un procès. Donc, d'ouvrir une enquête contre eux, je ne sais pas. C'est un pour... crime contre l'humanité, on peut considérer. Oui, moi je vous dis que là. je pourrais faire euh, la citation de Armando Valaderes, qui dit ceci, que l'homme est l'être humain le plus merveilleux de la nature. Mm -hmm. Les torturer, l'exécuter, l'éliminer physiquement pour ses idées est plus qu'une violation des droits de l'homme. C'est un crime contre l'humanité. Donc l'assassinat de l'Umba est un crime contre l'humanité. Mm -hmm. Donc, c'est au gouvernement congolais aujourd'hui de faire en sorte qu'il sache la vérité sur sorts qui a été réservé à son premier ministre, d'autant plus que tous les gouvernements qui, avaient, qui arrivent au pouvoir ont Patrice sur Lumumba. Le, le président actuellement, Joseph Kabila, Kabila pardon, a érigé une statue, un monument. Je, donc, euh, de Patrice et Mairie Lumumba, historiquement, quand les gens ce genre de monument il se pose des questions qui était-il C'est le président actuel qui a érigé le monument Oui. ou le, pré le cabinet président Non, c'est le président le actuel fils. et je crois non, c'est le président actuel qui, le a rigé, qui a érigé. a non, non 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 non, non, non sta donc le monument de Patrice Emery Lumumba a été inauguré par le président Joseph Kabila actuellement président de la République et je crois que il a fait un pas et nous nous pensons comme lui-même disait que tout Congolais qui a commis un crime de sang, économique et tout, répondra de ses crimes. Je dis bien que dans son chantier, plutôt dans son programme des cinq chantiers, excusez-moi l'expression, donc, donc moi je pense que euh, euh, il est en pleine reconstruction. Il a promis aux Congolais que tous les gens qui ont commis des crimes de sang répondront de ses crimes. Et alors, les gens qui ont commis des crimes ça c'est euh, l'état actuel des choses, mais je parle de ce gouvernement du Congo par rapport à la Belgique qui a commis ce crime contre l'humanité en assassinant Patrice Lumumba. Qu'est-ce que le, le gouvernement d'aujourd'hui devrait faire à l'égard de la Belgique et de tous ses comploteurs euh, Moi je crois qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement devrait faire, je crois que le gouvernement congolais est, est conscient. Il sait très bien que ce que les Congolais attendent de la Belgique, ce sont des excuses. Ils se sont, ils ont demandé des excuses. Vous avez dit tout à l'heure. Ils ont euh, reconnu, en reconnaissant déjà le. Leur... Non, mais ils ont reconnu, mais n'ont pas demandé des excuses au peuple congolais. Moi, je suis. Des... Ils ont reconnu, non, ils ont reconnu leurs responsabilités morales. Et quand la Belgique re reconnaît sa responsabilité morale, il ouvre la porte au gouvernement congolais de poursuivre justement. Alors maintenant, vous, le Congo va se fêter le cinquantenaire. Oui. Euh, Est-ce que sous quel signe ce cinquantenaire doit être au moins célébré Est-ce que ça vaut la peine euh, Moi, oui. je crois que si le Congo célébrer. le n'est pas encore levé. là. Non, si le Congo va euh, célébrer les cinquantenaire de l'indépendance de ce pays, qui dit cinquantenaire, ce n'est pas une fête comme telle. Je crois qu'en 50 ans, le Congo n'a pas décollé. La preuve, aucun président congolais, donc le prédécesseur du président Joseph Kabila, n'a fini son mandat avec honneur. Kassavubu a connu un coup d'État. Joseph Mubutu a fui. Mouzé Kabila a fini par une balle dans la tête. Donc il faudra un jour qu'il y ait un président qui termine son mandat avec honneur. Peut-être l'actuel. mais non, c'est à lui de travailler. Et pour travailler, il faut rendre justice aux Congolais. Les Congolais attendent. Au temps de Joseph Désiré Mubutu, il y a eu la conférence nationale souveraine qui avait une commission d'assassinat. D'accord. Une commission d'assassinat qui n'aboutit à rien. Monsieur Cassini nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais un dernier mot en 30 secondes. Un vœu pour l'Afrique, pour le Congo d'abord. Un vœu pour le Congo Oui. En 50 ans d'indépendance, le Congo a perdu un grand-fils, qui est Patrice Emery Lumumba. Un fils connu de tout le monde entier. Un homme qui, dans 70% des pays du monde, il y a une rue, il y a un bâtiment, il y a tout qui porte les noms sans compter les noms des gens. C'est que le Congo, c'est grand-fils du pays tout le monde entier a les yeux tournés vers la République Démocratique du Congo pour qu'on lui rende justice. Les cinquantenaires de l'indépendance du Congo, je crois que c'est d'abord un hommage à Patrice Emery Lumumba. Comment peut-on lui rendre hommage quand, dans les conditions où il est assassiné, s'il n'y a pas justice sur Patrice Emery Lumumba C'est ce que la nouvelle génération attend et c'est ce que nous nous attendons du gouvernement congolais. J'irai ceci simplement pour dire ceci. Aujourd'hui, vous avez déjà au Congo qui ont commis des crimes. Des gens à qui, bon, nous avons fait partie parce qu'ils ont commis des crimes. Mais aujourd'hui, nous, nous apprenons qu'il y a des familles à qui on a restitué leurs biens. La famille Mobutu, par exemple, c'est qu'il y a eu une justice qui a été faite sur Mobutu, c'est pourquoi sa famille. Et donc, on a restitué des biens et même la fortune de Mobutu dont nous pensons que Mobutu nous a volés. Alors, Lumumba, il faut une justice pour Patrice Emery D'accord. Une justice. Et, ça, et donc, les 50 ans de l'indépendance du Congo signifient... La justice pour toutes les victimes innocentes. C'est ça, les cinquantenaires de l'indépendance. Merci, que... c'est Merci. Euh, ça, donc, euh, le, seconde, le centre des de cinquantenaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à jeudi prochain pour un autre numéro.